Salut tout le monde, c'est quoi? On se retrouve aujourd'hui pour la 20e étape du Tour de France entre Annecy et Annecy-Semnoz. Je suis compagnie des habitués, Axel. Salut à vous. Kevin. Salut à tous. Melvin. Salut. Maxime. Salut tout le monde. Et enfin, Tam Tam. Salut à tous. Donc voilà, donc dans la course avec nous, il y a Widzi, Fridzi, Le Tal JC, Evelio J12, Faster 29, Mister, et voilà. Donc on est, je crois qu'on est 12, il me semble. C'est comme ça. Ouais, il me semble que c'était ça également. Voilà. Voilà, il y a du beau monde, comme d'hab. Parfait. Bon, c'est un gang qui fait une team attack. Ouais. Ça a toujours été un joueur dégueulasse, de toute façon. J'aime pas les team attack. Ça m'agace. Et là, on n'est pas sur Tour de France, on peut pas laisser, on n'est pas sur un tour, je veux dire, on peut pas laisser partir des gens comme ça, non, c'est impossible. Ouais. Pierre Roland a tardé. Dans les autres. Ouais. Que des coureurs qui ont abandonné en plus. C'est pas beau à voir cette team attack. Ah, ouais, c'est clair. En même temps, là, ils ont tous abandonné, je crois. Ouais, c'est clair. Ah là, c'est pas gentil, ouais, là, y a toute la team Robcar qui a pas pu se placer. C'est pas ma faute, hein. Oh là là, c'est pas gentil, gentil. C'est un peu le fair play, ils connaissent pas chez Astana, c'est... Moi j'attaque, moi, c'est pas moi qui roule derrière, hein. Mais vu que t'attaques, t'as fait rouler, logique. T'enclenché ah, toute la derrière, machine. Hein. C'est tout triste. Ce skin, il faisait peur, quoi. Le dopé, là. Ça va aller pour les Europe Car. On va essayer de rattraper. Ouais, hein. Ok, je suis d'accord que Lushenko il fait peur, mais Kachechkin. Ouais, ça devrait aller quand même, parce que bon, derrière, il y a. Ils sont où? Bon, Pierre Roland pour lui, c'est tranquille. Bon, il va se fatiguer un peu, mais bon, ça va quand même, c'est pas. Ça va aller. Voilà, ça a tout pété sur le troisième catégorie. Normal. Ah merde, il y a Bradshaw-Vis de lâcher. Ah le con. Et j'ai plus que 80 coureurs. Et ben yon. Qu'est-ce que c'est drôle. Malaka. Pierre Roland, c'est bon. Il recolle le peloton. Quel coureur ce Pierre Roland. Bon, il est un peu tout seul malheureusement, et puis mais bon. Ouais. Ah bah on est déjà plus 41. Ah bah attends pour moi. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Ah, c'est normal quand on enchaîne deux troisième catégorie comme ça, c'est normal. C'est violent. Hein. C'est waouh. C'est Sky, il roule la Boissonagen, il rigole pas hein. Quand il roule. Ça casse. Oh là, ça casse partout. Moi, j'ai mis Rodriguez qui est lâché. Oui, bon, je pense que ça a rentré. Ça a pas roulé, oui, bah c'est sûr. Moi je mets pas un curseur de malade parce que ça mérite pas. Voilà, en tout cas on se retrouve le temps que tout cela s'en mette en ordre, on se retrouve pour le col de première catégorie. A tout de suite. On se retrouve à 65e de l'arrivée. Au pied du première catégorie. Comme vous le voyez, ça a encore une fois pété de partout. Les leaders sont... Un nouveau dans le peloton, pour ce niveau-là, ça va, y'a pas de problème. Mais... Troisième catégorie font mal. Ouais, c'était assez compliqué tout ça. C'est un Sky qui fait tout... Sky qui a fait tout péter là, ce moment. Je veux la Sky qui roule maintenant, mais sinon avant, c'est qui qui a roulé. La Sky. Boissonagen. Ouais, la Sky. Ok. T'as l'air d'y prendre le bloc là. Ça va mieux pour Pierre Roland là, Tam Tam? Ouais, ça y est, j'ai tout. J'ai essayé de rattraper un peu le retard là. Ok. Vous avez la forme de vos leaders? Ouais. Zéro. Un petit écho là.
Oui, un petit écho, je ne sais pas chez qui. Mais ça, ça ne vient pas de moi, donc... Non. C'est pour ça que je le dis. Allez, Joaquin, dégage-toi. Va sur la droite. C'est bien. Ah ouais, c'est vrai que ça a bien fait tout péter tout ça. Oh. Crevaison dans l'adjacent, en vrai. Ah. Tu m'as fait peur, David. Notez que devant, il y a Nicolas Roche qui est parti. Je ne l'ai pas encore signalé. Il le fallait. Allez, Moreno, fais tout péter. Même Rodriguez, vu qu'il est bloqué. Pierre Roland qui est déjà devant le peloton. Van Embourg aussi. Jakob Thiel Braschkovic est là. Où est Jakob? Il est là. Il est au chaud. Ouais. Les Movistar toujours solidaires, toujours, toujours ensemble. Toujours. Sol encore 40. Oui, il y a plus d'écrémage dans, ouais, les troisièmes. Dans les troisièmes catégories. La première catégorie fait moins mal que le troisième. C'est ça. Bah, sa première catégorie, je pense, surtout par rapport à la distance, quoi, enfin, par la longueur du col, quoi. Mais c'est vrai que niveau difficulté. C'est surtout à pied. Tout à fait. Et bon, ça roule pas trop fort non plus. Can't. Always can't. Non, c'est plutôt calme, tranquille. Yes. Allez. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour le dernier call. Pour les... Il fait combien, vous savez, combien de distance il fait dans l'école? Je sais pas, toute petite quinzaine de kilomètres, je crois. Bref. Okay. On se retrouve à ce niveau-là. A tout de suite. On se retrouve à 16 km de l'arrivée, au moment où Kreuziger, Contador, Racing ont attaqué. C'est assez étrange d'attaquer là. Hubert Dupont qui s'est dessus, qui suit et qui attaque aussi. C'est vrai que c'est assez étrange, sur le plat comme ça. Mais pourquoi pas? Il va essayer de piéger. Oula, ça va être revenu. De piéger Froome, mais bon, on ne le piège pas comme ça, Froome. Moi, je suis bloqué par un Sky. Magnifique. C'est Froome, ça encore. Ouais, c'est chaud là. Parce qu'il y avait l'échappé qui a bloqué un peu. Allez, c'est parti pour les 11 derniers kilomètres, Contador qui en met une. Allez, Joaquin passe bien à gauche. Allez, 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 oui, c'est bien haut, c'est magnifique, Joaquin. Pourquoi il est en truc, il a la position, lui? Il est con. Roland a l'air d'avoir récupéré. Richie Porte est encore là, mais il est mort. Contador toujours tout seul devant. Froome est où? Il a Froome, ouais. Juste derrière Pierre Roland. Costaud ce col quand même. Hein. Ah bah clairement. Ouais.
8,5 de moins pour te moyenne. Première fois que Tour de France va le grimper. Ah là là. Les contadors qui part tranquillement. Froome qui pour l'instant est attentif. Je sais pas s'il est attentiste, plutôt pas attentif. Attaque de Pierre Roland. C'est bizarre parce que là les gars on a l'impression qu'on n'avance pas et ça c'est étonnant. On a l'impression qu'il fait des surpasses des fois, c'est bizarre. Alors sinon dans le groupe il y a toujours Evans, Froome, Valverde, Quintana bien sûr, Pierre Roland, Contador qui a peut-être fait trop d'efforts trop tôt. Joaquin qui s'accroche et derrière que se passe-t-il? Nivet, Vandenbroek, Pinot et Gadret. Ça c'est dur pour Quintana et Roland apparemment. Ah je me fais bloquer. Par contre alors en plus. Voilà. Froome, Valverde. Ou attaque de Vandenbroek. Ah, trop tôt. Alejandro. Allez, Alejandro. Voilà. Pour la surprise. On est pour lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est vrai. Et Chris Froome. Belle victoire de Chris Froome. Ouf, dommage. Valverde, Rodriguez, Vandenbroek, Evans, Pinot, qui revient. Septième. Gadret qui bat Contador. Ouais. Nivet, Quintana, Pierre Roland. Fuglsang, voilà. Eh ben, bien joué à tous. Ouais, bien joué, Froome, ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué. À vous tous. Ça a été difficile pour Pierre Roland. Au moins, il a été piégé, il a dû revenir. Après, il a tenté d'attaquer dans la dernière col. Un poil peut-être trop tôt. Oui, je pense, honnêtement, ouais, un petit peu trop tôt. Ouais. Surtout quand on voit qu'il y a derrière après. Mais bon, bien joué. Ouais. Froome qui reste imbattable. Une nouvelle victoire. Bien joué, Widzi. Contador aurait tenté hein, ça, parce que bon, s'il avait été contenté de suivre tout le monde, je pense qu'il leur fait un bon truc, mais il a tenté. Ouais. Voilà, voilà. En tout cas, c'est plus sympa de jouer des étapes courtes. Oui. Montagne, en tout cas. Ah oui, sur les tours comme ça, enfin sur les étapes comme ça, c'est sûr que. Bah ouais. Bah un sprint, comme vous disiez à chaque fois, un sprint, c'est pas pareil quoi. Un sprint. T'as toujours la possibilité, même avec un coureur moindre, avec les trains et tout, de faire quelque chose de bien quoi. En montagne, y'a pas de surprise quoi. C'est un... Non. Y'a pas de mystère quoi. Le plus fort gagne. À moins que le mec sache pas jouer ou qu'il tente un truc impossible, mais sinon, ouais. Y'a pas de surprise quoi. C'est clair. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va pas faire durer plus longtemps. Déjà là, donc c'était la dernière table du Tour de France. Demain, les Champs-Élysées où là, on va retrouver Boigny. Ouais. On va retrouver Christophe. On va retrouver Jorge Gil. Surtout Boigny. Surtout Boigny. Et puis bah écoutez, je vais vous saluer. Donc salut à toi Tam Tam. Je crois qu'il. Salut, salut. À demain. À demain, demain. Je serai là demain. Ok. Salut Kevin. Salut. Présent demain. Ouais. Salut Maxime. Salut. Pas sûr d'être là demain. Ouais, c'est sûr. Ciao Melvin.
Salut. Qui sera demain, il a pas le choix. Ciao Axel. Qui sera demain, il a pas le choix. Salut à vous. Et sinon, je vais remercier encore une fois, bien sûr, comme d'habitude, ceux qui ont participé à la course avec nous. Donc, à Freddy, bien joué. Non, vous voyez Freddy. Widzy, bien joué pour la victoire. Lethal JC, Evilosu12, Faster29 et Mister. Voilà. À demain. Rendez-vous sur les Champs-Élysées. Ciao, ciao.